Connectez-vous, Makoso. Connectez-vous. Deux jours là, je suis trop occupée. Je vois qu'il est trop entassé, mes parents là. Voilà. Je suis trop occupée, donc je ne parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux à l'air là. Et il est trop en tas. Il est en tas si mes parents bêtés là. Il n'y a pas pour lui. Merci beaucoup. Connectez-vous et puis partagez le direct. Ça arrive chez le roi des réseaux sociaux. Moi, il m'a pas pour toi. Il m'a pas pour toi, Makoso. Voilà. Je vous laisse le temps de vous connecter. Toi, arrête de faire les TikTok là. Tu viens ici. Bonjour, 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 bonjour. Je suis trop busy ces temps-ci là. Je regarde ça sur les réseaux sociaux et puis je passe. Comment ça va? Marina Cano, comment vas-tu? Voilà. Hey! La mère, comment tu vas? Salut à toi. Salut à tout le monde. Ouais, salut, 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 salut tout le monde là-bas. Salut. Saluez tout le monde pour moi. Soyez salués depuis votre position. Donne-moi, je vais chasser un peu de temps en temps. Donne-moi ici. C'est parce que j'ai vu un ici à toi. Oh. Bonsoir la belle, je suis de la Martinique. Je t'apprécie pour ta franchise. Merci beaucoup Maggie Fourlin. Merci beaucoup. Super fan, salut à toi. Je remercie tous mes super fans. J'ai oublié votre nom qui m'avait envoyé des... Hé, hey, la mère, comment tu vas? Merci beaucoup. Papa, la femme du Baobab nous salue. Hey. Comment tu vas? Maman. Viens faire un coucou là. Viens faire un coucou à la femme du Baobab. Faut que ta maman te voit quand elle vient. J'arrive. Voilà. Venez, alors, venez. Yaoh. Il dit yaoh, comme au village là. Il n'a pas changé ce villageois là. Yaoh. Allô ma mère. Yaoh, la femme du Baobab. Connectez-vous les amis, connectez-vous. J'ai ma part. J'ai ma part. Il m'a pas pour Makoso. Saluez là-bas. Harry là-bas. Ouais, ok. Donne-moi le truc, j'ai chassé un peu les petits insectes. Viens ici, viens. Connectez-vous. Connectez-vous là-bas. Merci beaucoup. Le spécialiste du réseau, des réseaux sociaux, moi j'ai ma part pour toi. Il m'a pas aujourd'hui pour toi, Makoso. Voilà. Allez lui faire la commission là-bas. Faites-lui la commission. Parce que quand c'est trop là, quand c'est trop exagéré aussi là, c'est pas bon. Voilà. Deux jours là, c'est les bêtés. Makoso, si tu as un problème avec ta belle famille, ça dit toi-même quand on voit ton espèce là, c'est quelle belle maman qui va vouloir que sa fille se mette avec un homme de ta trempe? C'est quelle maman? Ça dit, il y a quelle maman qui a accouché qui veut pas que sa fille soit avec quelqu'un de bien. Quand on dit quelqu'un de bien là, c'est pas quelqu'un qui donne l'argent. C'est pas ça. Quelqu'un qui a des valeurs nobles. C'est ce que tout parent recherche pour son enfant. Mais l'énergumène que tu es, l'espèce que tu es, c'est quelle maman qui va accepter que tu sois avec son enfant? Aujourd'hui, tu traînes la belle famille sur les réseaux sociaux. Oui, je suis d'accord avec toi. Mes parents là, on n'est pas facile quand il y a les funérailles. Moi je dis la vérité telle qu'elle est. Et on n'est pas facile. Quand il y a les funérailles là, quand on a perdu l'être cher, surtout quand c'est du côté de la femme là, il y a toujours problème. Mais ce n'est pas chez les bêtés seulement. Dans tous les peuples de Côte d'Ivoire, partout, quand il y a funérailles là, il y a problème. C'est ça. Mais pour toi aujourd'hui là, tu ne te limites pas à ta belle famille ou bien tu ne règles pas ça en famille là-bas. Tu viens régler sur les réseaux sociaux. Moi, c'est même pour te donner ta part. Et partagez le direct, il va recevoir ça. Et je te donne ta part. Et puis demain, là, tu vas venir me répondre. C'est pas possible. Donc, quand toi, tu te regardes là, toi, tu crois que ça dit que tu es l'homme, ça dit que tu es un homme, qu'une mère va vouloir pour son enfant. Même si tu as des milliards à donner à la femme, ça dit que à l'enfant d'autrui. Tu n'es pas quelqu'un, ça dit que tu vas être un exemple qu'une mère va être fière de dire, voici mon gendre qui est là. C'est ça qui est ton problème. Tu comprends? Tu as un problème de moralité. C'est ça. Moi là, on met un millionnaire, quelqu'un qui a des millions, qui a un problème avec la morale, qui vient de ma maison pour dire non, je veux ta fille. Je préfère quelqu'un, ça dit que,
qui a des bonnes idées, quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui connaît certaines valeurs de la vie. C'est ça, c'est nos coutumes. C'est nos coutumes parce que pourquoi les gens se comportent quand souvent au funérail, ils se disent que pour nous est déjà gâté, on a perdu pour nous. Mais tu ne réfléchis même pas quand tu dis non, ma belle famille a refusé la dot. Mais si la belle famille même refuse dot là, belle famille qui aime l'argent là, s'ils ont refusé dot là, c'est qu'il y a problème. Il y a problème mon frère. Aujourd'hui là, tu as le pouvoir de parler sur les réseaux sociaux, tu viens parler de ta belle famille. Mais toi-même là, tu t'es remis en cause, faut te remettre en cause. Les ennemis de la vérité sont là, sécurisez le direct s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Parce que tu penses que Facebook là c'est pour toi. Donc toi tu viens, tu vas depuis quand on trimballe les problèmes de famille, problèmes de funérailles, funérailles qui va passer demain là. Depuis qu'on prend problème de funérailles dans une famille, on vient exposer ça sur les réseaux sociaux. Depuis quand? Comme tu viens mettre sur les réseaux sociaux là, nous autres aussi on est venu parler. Et je vois partout, non, les femmes bêtées, tu as quel problème là? C'est toi qui es le problème. Je sais que cette pauvre dame-là, aujourd'hui, elle est en train de se remuer dans sa tombe là-bas. Parce qu'elle n'a pas écouté ses parents. Si elle avait écouté ses parents-là, aujourd'hui-là, elle allait comprendre. Tu crois que tout ce que tu es en train de faire là, ça respecte la mémoire de ta femme? Non, ça ne respecte pas sa mémoire. Si tu étais quelqu'un de sensé là, au-delà de tout ce qui se passe dans votre famille, tu allais dire, bon, cette femme-là, j'ai eu de bons moments avec elle. Même si sa famille ne m'a pas aimé, j'ai eu des moments avec elle. J'ai partagé des instants de bonheur avec elle. On a des enfants. Tu allais respecter cet aspect-là. Non, parce que toi là, quand le patron des réseaux sociaux créait Facebook là, tu étais à côté, puis vous avez signé Facebook ensemble. Donc toi, tu viens sur les réseaux sociaux pour traîner cette famille-là. Et au-delà de cette famille, c'est les bêtés, les bêtés. Toi, peut-être, tu vas pas... Il y a quelle femme bêtée même qui a voulu que son enfant te prenne où tu es là? Il y a quelle femme bêtée qui a voulu que toi, Makoso, tu sois dans la vie de son enfant? La fille, est la bonne dame, elle n'a pas écouté ses parents aujourd'hui? Parce qu'elle avait écouté ses parents-là. Quand tu es en train de parler, tu penses que c'est toi qui as raison? C'est pas toi qui as raison, mon frère. C'est pas toi qui as raison. Toi qui viens et trimballer, traîner cette belle famille-là dans la boue. Mais toi, tu vis. Toi, tu vis. C'est ce que tu oublies. Toi, tu vis. Mais comme je dis, cette mère-là, elle a perdu quelque chose à jamais. Il y a un trou qui est creusé à jamais. Mais quand tu parles là. Pour parler, donc tu viens sur les réseaux sociaux, tu parles, et quand tu parles, non, les bêtés, oui, c'est vrai, les bêtés sont difficiles dans funérailles, ça je le reconnais. Il y a des pratiques même que mes parents font souvent, je dis ça là, laissez ça, ça c'est ancien temps, on fait plus ça maintenant. La façon dont les bêtés sont difficiles là, c'est comme ça aussi là, les akans de leur côté là-bas là, ils luttent héritage là-bas, c'est comme ça dans d'autres peuples aussi là, on maltraite la veuve, c'est comme ça dans d'autres peuples aussi là, on prend tout aux enfants. Donc, ça veut dire qu'à chaque peuple-là, il y a une faille. Moi, ce que je déplore, c'est le fait que depuis un moment, tu entasses sur les bêtés. Quand tu te regardes là-même, là, si c'est pas, ça dit que femme bêtée, là, qui allait te regarder? Une femme qui t'a aimé au-delà de tout, ses parents ne voulaient pas de toi, mais elle t'a aimé malgré tout, elle a bravé ses parents. Tu devrais au moins respecter ce petit côté-là. Partagez le direct. Il dit qu'il est le roi des réseaux sociaux. Mais moi, je lui dis ma part aujourd'hui. Tu devais réfléchir. Oui, c'est vrai. Ses parents m'ont jamais aimé. Les hommes qu'on rencontre et puis on les envoie dans les maisons pour que nos parents... Au début, là, tous les parents sont réticents. 80% des parents qui reçoivent que leur fille envoie un homme là, au début ils font bizarre, mais après là, c'est ton comportement qui fait, et puis la belle famille dit, ah, nous-mêmes on s'était trompé, en tout cas, son mari là, il est bien. Mais ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, est-ce que ça se fait? Les gens ne peuvent pas te dire la vérité, sinon ça ne se fait pas. Hein? On ne peut pas te parler. Les gens ont peur de te parler. C'est ça, quand tu fais tes directs là, les gens s'en vont, ils regardent. C'est vrai, les gens s'ennuient. Ils s'en vont regarder, mais au moins là, ça dit que dans les coulisses, quelqu'un devait pouvoir te dire, ça ne se fait pas ce que tu fais. Il faut respecter la mémoire de ta femme. Et au-delà de la mémoire de ta femme que tu dois respecter là, ça dit qu'il y a la culture qui vient avec. Oui, c'est vrai, il y a des pratiques barbares qui sont dans nos cultures. Ça, c'est vrai. Et c'est à tous les niveaux. Tu ne peux pas venir traîner cette femme-là dans la boue jusqu'à ce point-là.
Nous autres, même quand tu as perdu ta femme là, nous on a parlé dedans, mais après on s'est dit bon, quoi qu'on dise, le monsieur il a perdu sa femme, il faut respecter. Surtout quand ils ont dit non, il y a une autopsie, il y a quoi, tout ça là. Nous, on respecte cet aspect-là. Souvent, même les gens demandent, mais ma consommée, ils vont atterrir sa femme quand je dis non. Laissez le monsieur, c'est qu'il y a une autopsie. L'autopsie va nous démontrer ça. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste là, ce balai d'injures, tu traînes ta belle famille. Ça dit que tu les mets plus bas que terre. Mais tu oublies que cette femme-là t'a donné des enfants. Elle t'a donné des enfants. C'est sa mère là qui l'a couchée. Et puis aujourd'hui, toi, tu as fait d'elle une femme. Elle sort de cette famille là. Oui, la belle famille là, on respecte la belle famille. Belle famille est comme haut. On respecte la belle famille. Même chez les whites ici, chez les blancs ici là, on respecte la belle famille. Je travaille avec des familles blanches. Souvent, ils disent que oh, mais ma belle-mère n'est pas facile, mais comme c'est la belle-mère, on va slowly avec la belle-mère, on va doucement avec la. Donc, ça veut dire que tout le monde est conscient que la belle-famille, les relations de Bru et belle-mère, ou bien de gendre et belle-mère, ce n'est pas toujours évident, mais on fait doucement, doucement. Toi, aujourd'hui, tu respires. Elle t'a donné des enfants, mais ceux-là, eux, ils ont perdu quelque chose à jamais. Tu ne respectes pas cet aspect-là. Et tu es surpris pour dire non, ma belle famille ne m'a jamais aimé. Comment on peut aimer un homme de ta trempe? On ne peut pas t'aimer. Ça dit que cette belle famille-là, c'est comme ils avaient jeté des coris. Ils ont vu comment tu es. Ils ont vu comment tu es. Funérailles, comment au funérail va finir? Même si on est monté, on est descendu, comment funérailles là, ça va finir? Pourquoi tu ne peux pas patienter? Et ils ont déjà perdu. Toi, demain, là, on finit funérailles, là, tu t'en te marier. Eux, là, ils ont perdu pour eux. Ouais, gâté. Comme on dit en bété. Ouais, gâté. Toi, qu'est-ce qui est gâté pour toi? Tu as perdu la mère, la mère des enfants. Tu as perdu la femme. Demain, on finit, là. Moi, j'ai vu des gens, on a lavé la femme. Le mois qui a suivi, c'est son mari. Il s'est marié. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai, tu as perdu ta moitié. Mais eux, ils ont perdu à jamais. C'est ça. Demain, quand tu as parlé, tu as dit mon ex-femme, hein, la mère de mes enfants. Quand tu as marié une autre là, tu as dit mon ex. Donc pourquoi aujourd'hui traîner cette belle famille là? Et ce sont mes parents bêtés là qui sont dans ta bouche. C'est aujourd'hui, tu sais que les bêtés, on est difficile dans le funérail. On a toujours été difficile dans le funérail. Mais vous nous mariez, hein, vous nous mariez parce que vous-même, vous savez ce qu'on s'est fait. Hein? On est joli, on sait faire les affaires, on a tout. C'est pour ça que vous nous mariez, vous ne nous laissez pas. Il a dit ça, hoha. Tu as quel problème? Tu as fait un peu, tu ne laisses pas. La mère de la fille vit. On lui envoie les vidéos. Est-ce que tu t'es imaginé comment elle se sent quand c'est cet homme-là qui a marié ma fille? Cet homme-là, je ne bois pas. Ah, il dit, tu ne bois. Ok, c'est votre expression, tu bois quoi? Ok, je comprends. Tu comprends? Est-ce que tu t'imagines au moins que les vidéos qu'on fait là, on partage ça. Et puis ça arrive dans la main de cette maman là. Elle voit ces vidéos. Elle, toutes ces paroles, ça dit ignoble que tu sors de la bouche. Tu es quand même un être humain. C'est la grand-mère des enfants. C'est les oncles, c'est les tontons, les tantes des enfants. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc tu ne peux pas traîner cette famille là plus bas que terre de cette façon. Mon frère Makoso, moi je vais te dire quelque chose. Hein. Au-delà de tout ce que tu peux croire, moi j'ai beaucoup d'estime pour toi. Ma soeur est en ligne, elle le sait bien. J'ai beaucoup d'estime parce que j'aime ton côté humour. Mais depuis le décès de ta femme, ça dit que comment tu es devenue, je ne sais pas. Chacun a sa façon de vivre le deuil, comme je le dis. Mais la façon dont ça dit que l'image encore que tu as projetée, même ceux qui te supportent, comment quelqu'un qui a vécu avec une femme, il a fait des années avec elle, on n'a même pas encore enterré cette femme-là. Je n'ai pas vu ça. Même chez les gens ici, je n'ai pas vu. On l'enterre, même si ton deuil doit te prendre une semaine, ça va te prendre un mois, mais au moins on l'enterre d'abord. Et puis si tu veux refaire, ça dit que tout ton cinéma que tu as l'habitude de faire, oui. Mais cette femme-là qui a passé, ça dit que des moments de bonheur,
aujourd'hui, ça dit que je peux dire que tu traînes cette femme-là dans la boue. Parce que si tu traînes sa famille dans la boue, si tu, ça dit que si tu n'as que des sales paroles pour sa famille, comment veux-tu que... Comment elle se sent là où elle est? Comment elle se sent? Est-ce que tu as pensé à ça? En tout cas, moi, quand je te regarde, je pense que tu es dénudé. Ça dit que tu es dénudé de tout sens humain, quoi. Ouais, je t'ai dit ça. Ça dit que c'est comme quand on t'écoute parfois, c'est comme le côté humain t'a quitté. Mais je sais pas si c'est le deuil là qui te... Ça se peut, hein? Ça se peut que ce soit ça. Parce que parfois aussi, quand on aime beaucoup une femme ou bien on aime beaucoup un homme, et puis cette personne-là sort de notre vie là, ça peut créer un certain dérangement dans notre esprit. Je sais pas si tu es un peu dérangé. Parce que toute personne qui a toutes ses facultés, qui a tout au complet, ne peut pas se comporter de la sorte. Comment voulez-vous? Je sais pas. Partagez pour qu'ils reçoivent. Oui, partagez pour qu'ils reçoivent ça. Pour qu'ils reçoivent. Parce que c'est pas normal ton comportement. On peut venir régler nos petits... Non, sur les réseaux sociaux. Mais la belle famille qui a perdu... Et le ça dit que... Ça dit le hic, c'est que la mère de cette femme-là vit. Ça dit... Gueda, comme on dit, la maman des enfants. Guedada, la grand-mère des enfants. Elle vit. Mais quand tu parles là, ça dit que tu as tellement parlé sur les réseaux sociaux que nous autres, on s'est dit que le décès de ta femme allait te faire dire que, mais attends, je suis humain. Ça dit que je suis fragile. Ça dit que dès lors que cette femme-là, qui est ma moitié, m'a quitté, ça dit que ça devait me casser un peu à un certain niveau. Mais on a vu que non, c'est pas ça. Oui, tu peux rebondir. Ça dit qu'au travers du décès de ta femme, il n'y a pas de problème. Moi, tout ce que je te demande, il faut respecter cette belle famille-là. Voilà. C'est comme ça on est. Et puis vous nous aimez. Nous, les femmes bêtées. On est comme ça, mais vous nous aimez. Parce que comme dit l'autre, là-bas, là, c'est puissant. On sait accueillir. Ça dit que les beaux-parents, quand ils viennent là-bas, on sait les accueillir, on sait les prendre. Cuisine aussi, on sait faire, on sait tenir une maison. Donc, ça dit que cette femme-là t'a apporté quelque chose. Pourquoi aujourd'hui tu méprises ses parents jusqu'à ce niveau-là? Un gros manque de respect vis-à-vis de cette famille-là. Ils ne peuvent pas parler, mais tu en fais un peu trop, Makoso. La famille ne peut pas parler. Parce qu'ils n'ont pas, ça dit, la façon que toi, tu as ton audimat sur les réseaux sociaux. Tu as des gens qui te suivent là. Eux, ils ne peuvent pas parler comme ça. Mais tu as dit que, ça dit, quand c'est trop, ça devient laid. Ça dit, tu abuses un peu. Si on ne t'a pas dit ça là, moi, je t'ai dit ça. Oh, tu abuses. Il va venir m'insulter, oh, mes siens, oh, mes quoi, oh, j'ai mari, j'ai enfant, on ne peut pas tout citer. Mais voilà qui suis là. Je suis la femme de quelqu'un. Et ma famille, là, elle respecte mon mari. C'est pas possible. Quand il va venir t'insulter, il n'a qu'à venir m'insulter. C'est pas possible. Et tu fais, ça dit que tu étires, mais à un moment donné là, à force de trop tirer là, ça dit que la corde va lâcher. C'est pas possible. Oui, j'ai dit ça. Oh, ah. C'est pas possible. Oui, ventre bas, ventre, les deux. Mais c'est elle lui a donné, ça dit, cette danse-là, elle est recèle. Et puis, il la brandissait. Il était fier d'elle. La façon dont tu étais fier d'elle, là, ça veut dire qu'elle appartient, elle appartient à une famille. Oui, comme je l'ai dit, on n'est pas toujours facile dans les périodes de deuil. Je le sais. Et je critique ça. J'ai même fait une vidéo sur les funérailles.
Mais ton problème ne se résume pas qu'aux funérailles. Ton problème, il est profond, il vient de loin. Si, comme tu dis, la famille a refusé la dot, tout ça, donc ça veut dire que ça vient de loin. Ce n'est pas une question de funérailles. Quand tu fais certaines vidéos où tu, ça dit que tu traînes cette famille-là, quand la mère reçoit, Dieu seul sait le soupir qu'elle fait sur ces vidéos-là. Wow! Où t'ouvri, mané? Mané, où t'ouvri? Parce que tu es où t'ouvri? Mani, on n'a pas vu affaire venue. C'est ça qui est là. On n'a pas encore vu ça. Otowuri, là, quand il y a funérailles là, Otowuri, tu encaisses. Parce que pour, ça dit que pour nous, elle est déjà gâtée. C'est ça. Au funérail, Otowuri, tu encaisses. Parce que c'est déjà gâté. C'est gâté? On va finir d'enterrer sa fille là, c'est fini. À jamais. C'est pas possible. Coco River, ce qu'elle est en train de dire là, faut écouter d'abord. De quoi tu me parles? Wow, franchement là, je... C'est ça. J'ai jamais dit que cette belle famille est correcte. J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit que la belle famille était tout le temps, mais j'ai dit que c'est toi qui es où, Touri. C'est comme ça la famille ne t'aimait pas. Et puis tu es resté avec elle jusqu'à toutes ces années-là. La famille ne t'aimait pas, non. Mais malgré que la famille ne t'aimait pas là, tu n'as pas dit que non, faut quitter ma maison, va. Je veux plus de toi, la famille. Puisque la famille ne comment on appelle ça? Ta famille ne m'aime pas. Donc quitte ma maison. Tu es resté avec elle. Tu l'as chérie. Tu l'as aimée. Tu as fait des enfants avec elle. Donc si cette femme-là est partie aujourd'hui et que cette belle famille-là remonte à la surface sur toi et qu'ils sont sur toi, mais tu gardes ton calme. Tu gardes ton calme, comme je dis, pour être gâté déjà. Mais non, ce n'est pas ce à quoi on assiste. Tu comprends? Ma soeur qui vient défendre ma cause ici là, vous êtes pressée pourquoi? Pressée même pourquoi? Moi j'ai pris ma bouche pour parler là-haut. Ça veut dire que ma cause va venir répliquer là. I don't care, comme on dit en anglais. I don't care. Doesn't matter. C'est pas mon problème. J'ai dit pour moi là, je passe à autre chose. Donc si vous êtes les défenseurs de ma cause, que vous venez ici là, c'est vous qui avez des problèmes. Les bétés n'envahissent pas le mariage de leurs enfants. Les bêtés là, ils n'envahissent pas le mariage de leurs enfants. Moi-même, je suis femme bêtée. Dans ma famille là, on ne va même pas envahir le mariage. Tout est une question d'éducation. Tout dépend des familles, de chaque famille. C'est ça qui est la vérité. C'est bêté seulement qui va chez la famille. Les autres là, ils ne vont pas. Il n'y a pas de belles mères aussi qui sont prendre tabouret pour rester dans les foyers. Vous aimez trop stigmatiser les gens. Ça, c'est du stigma, ce que vous êtes en train de faire. Je dis que la belle famille reste la belle famille. Le problème là, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Le problème vient de très loin. Lui-même, il explique. Aujourd'hui, là, tout le monde connaît la version. Et c'est les bêtés, les bêtés, les bêtés. Laisse les bêtés en paix. N'y attends, aïe, n'y a paix. Donne-nous un peu de temps à respirer. Mani. Calme attention à mon téléphone. Faut pas que l'eau verse là-dessus. C'est ça qui est la vérité. Faut encaisser pour toi. Parce que c'est déjà passé. Encaisse. C'est pas grave. Ça, la funéraille est comment. Ça, comme on dit en bête, ça veut dire que le corps est beau, comment on va l'enterrer. Donc, forcément, l'enterrer. Gazé, guiginani, wagezou. Ça veut dire que le corps n'a qu'à être joli. Comment on va te mettre sous la terre? Donc, ça va finir. Pourquoi? Ça veut dire que tu ne passes pas à autre chose le temps qu'on enterre cette femme-là. Et puis,
La suite va nous déterminer. J'ai fait mes vidéos précédentes. J'ai dit que ça ne donne rien d'attaquer Makoso. Parce que quoi qu'on dise là, l'autopsie va dire non. S'il a fait quelque chose, ça va se démontrer. Donc on n'a pas besoin toujours de chanter Makoso, Makoso a fait ça, il est temps. C'est pour ça que j'ai fait une ou deux vidéos sur toi. Je me suis arrêtée. Parce que moi, je marche avec la loi. Il n'y a pas de preuve jusqu'à aujourd'hui qui a dit que c'est toi qui as tué ta femme. Aucune preuve. Donc ceux-mêmes qui t'attaquaient de ce côté, je trouvais ça à un moment donné ridicule. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une question de belle famille. Le sujet est sensible. Oui, cette belle famille-là ne t'avait jamais aimé. Ça, tu as été assez clair là-dessus. Mais ça là, ça va passer. Tu n'as pas besoin chaque jour de venir traiter cette belle famille, de venir insulter, de venir dire tout ce que tu veux, parce que la mère même de la fille vit. Quoi qu'on dise là, même si elle ne t'a pas aimé, même si toute ta belle-fille ne t'a pas aimé, mais leur enfant t'a aimé. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Il y a trop de messages, je ne peux pas lire. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Tu as suivi, il y a du monde, il y a des gens qui te connaissent. Des gens peuvent te parler, pour te dire oui. C'est ça, parce que quoi qu'on dise, des gens qui te connaissent, qui te suivent, même ce comportement, ce n'est pas correct. Mais je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas le courage de te dire que ton comportement n'est pas correct. Oui, ta belle famille t'accuse. Oui, t'entends, ils ont pris des avocats. Si tu n'as rien fait, tu vas sortir grand de cette affaire-là. Tu vas sortir et puis nous autres qui avons émis des doutes là, on va avoir la honte. Si on a le courage, on va venir faire vidéo pour dire ah, vraiment Makoso, on avait eu des doutes sur toi. Vraiment, tu es lavé de tout soupçon. Vraiment champion, continue ta vie. Voilà qui est clair. Pourquoi tant de haine? C'est ça. C'est ça. C'est là que vient ma question. Je suis désolée. Il y a des gens qui te suivent, il y a des personnes que je connais qui te suivent. Pourquoi ces personnes-là ne te parlent pas? Pour dire non, une belle famille, ça se dit pas, tout ce que tu dis. Traîner la belle famille comme ça? La belle famille n'a jamais été facile. Belle famille n'a jamais été facile. Ceux-mêmes qui t'encouragent là, ceux-mêmes qui sont là, ils t'applaudissent, ils te disent quoi, merci pour les étoiles. Mais... comme je dis, au début, quand on vient toujours dans une famille, et puis très souvent les hommes, ça dit que très souvent les hommes, c'est pour ça que ça me paraît bizarre. Ce que je sais, très souvent chez nous, c'est les femmes qui ont des problèmes. Les femmes qui quittent ailleurs pour venir marier. Les hommes, c'est très rare. Ça dit que les hommes qui quittent ailleurs pour venir marier nos filles, c'est très rare. Parce que nous, on dit, ah, Wuto Uriba. Ça dit c'est le beau-frère. Ce qui fait que souvent même le Wutouri n'est même pas correct. Mais tellement on veut que nos filles se marient, on dit ah. Souvent même il y a d'autres jugements en fait. Il a tort, mais on ne peut pas donner avant là, du temps de notre tradition avant là. On dit ouais, ça Wutouri Zugo. Vous savez ce que ça dit? On n'enlève pas la raison au gendre. Wutouri Mokazugo, comme c'est lui qui a toujours raison. Enfin, on veut que notre fille se marie. C'est ça. Celles qui ont des problèmes, c'est les femmes qui viennent marier dans nos familles. Sinon, les hommes, généralement, là, il n'y a pas de problème. On fait un peu au début, après ça s'arrange. Mais ça n'a pas été le cas chez toi, selon ce que tu expliques. Merci pour les cœurs. C'est ça qui est la vérité. Bon. Moi, je dis les insulteurs, comme moi-même je dis là, quand je parle, ça dit quand je viens parler ton nom là, ça dit la réplique ne m'intéresse plus. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Quand je viens dire ton nom dans mon direct, ça dit que la réplique là, je ne m'intéresse plus. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Chez nous là, c'est le gendre qui a toujours raison. Avant, je parle d'avant dans la tradition. Le gendre a raison. Même quand le gendre a fait mauvais, on dit, devant lui là, on ne va pas lui dire que tu avais fait mauvais. Je parle d'avant, je ne parle pas d'aujourd'hui.
On ne va pas lui dire. C'est après maintenant qu'on prend la fille de côté et puis on lui donne des conseils pour lui dire, ah, toi-même, tu sais que ce qu'il a fait, on sait que c'est mauvais, mais il ne faut pas laisser ton mari, il ne faut pas laisser les enfants, tout et tout. Et puis on te passe ça, on dit, wasa ou tourizugo. Voilà. Donc si ça a pris cette proportion jusqu'à... D'ailleurs, même c'est aujourd'hui, j'ai entendu que quelqu'un va aller donner donc les Africains qui aiment l'argent là. Mes parents, ça dit que Bété qui aime l'argent là. S'ils ont refusé la dot là, c'est que vraiment, moi, était là. Comme on dit chez nous, c'est que c'était vraiment dur. Moi, était là, c'était vraiment fort. S'ils ont refusé la dot, ah ça, Mbrairairi, je n'ai pas vu ça. C'est ça. Donc si pour ça arriver aujourd'hui là, tu laisses comme ça. Tu laisses, ça va passer. Ils vont l'enterrer. Tu continues ta vie. Est-ce que tu avais besoin? Chaque jour, je n'ai pas regardé tes vidéos. C'est mon mari quand il revient du travail, il écoute. Et puis moi je suis en bas en train de travailler. J'entends. J'entends. C'est ça. En tout cas, c'est ma part qui est là. C'est ma part. Makoso, faut laisser comme ça. Laisse comme ça. Ça va passer. Tout ça là, ça va passer. Voilà. Je ne sais pas. C'est ça. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. Mais c'est pas garçon qui vient marier. Toi qui as dit mariez-vous entre vous là. C'est pas garçon qui vient marier. Il y avait des milliers de femmes. Il y avait des femmes d'une autre ethnie. Il y avait des femmes plus jolies que sa femme. Mais c'est elle là qui a coupé son cœur et puis l'a prise. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Sinon, il y avait beaucoup de femmes. C'est ça. Elle est remontée. Non. Souvent dans tes directs déjà, même du vivant, moi je suis une personne qui dit des choses vraies. Dans tes directs déjà, au moment où tu parlais, du temps où ta femme n'était pas décédée, déjà tu avais déjà dit que tu avais des problèmes avec ta belle famille. Tu mettais ça dans l'humour, tu disais, ma belle famille ne m'a jamais aimé. Ça, on le sait. Mais ce que je te dis, compte tenu de la situation, c'est déjà gâté. Donc tu laisses. On te reproche quoi que ce soit. Si tu n'as pas fait là, la vérité va venir à la surface. Et puis nous qui avons émis des doutes, nous qui avons émis des réserves, là, on vient faire vidéo pour dire vraiment le grand Makoso, ce qu'on avait dit, Dieu merci, la justice t'a blanchi, Dieu merci, tant. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. C'est ça. Mais la belle famille, dans les réseaux sociaux, dans Facebook, mais non. Quel funérailles on a réglé dans Facebook ici? Tu as dit que c'est toi qui es le premier funérailles qu'on a réglé dans Facebook. Il n'y a pas un autre funérailles qu'on a réglé dans Facebook ici. C'est le premier grand funérailles réglé où on vient faire règlement du compte de funérailles. C'est à toi, Makoso, sur les réseaux sociaux. C'est pas correct? Non, c'est pas correct. Franchement. Moi, je t'ai parlé, je t'ai dit ma part, je t'ai dit ce que je pense. Tu es où, Touri? Faut laisser la belle famille. Laisse-moi respirer. C'est ça. Aïe, Nyepé. Mais comment tu avances? Je vois pas. C'est ça. Parce que tu es en train de flotter, tu vas pas avancer à moins que tu. C'est ça qui est la vérité. Laisse-moi respirer. On est comment, et puis on t'a donné jolie femme, t'as donné de beaux enfants que tu brandis sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est comme moi, tenais à te dire. On est comment, mais vous nous mariez, vous nous prenez pour nous marier. Voilà, c'est ça. Donc, faut laisser ça. C'est tout. Merci beaucoup. On continue notre nage. Ok, ciao. Portez-vous bien, au revoir. Merci. Et puis bon, comme je vous ai dit là, quand moi j'ai fini de parler, le reste là, j'ai seins comme ça, oh. J'ai bras comme ça, oh. Je suis comme ça, oh. Je suis la femme de quelqu'un. Voilà ma fille qui est là-bas. Il y a travail, il y a enfant, il y a tout ce qui est dedans, il y en a dedans.
Donc là, je n'ai pas joué ma vie. C'est ça qui est la vérité. Hein? Si elle était une frustrée, on avait même dit, elle est frustrée. Elle est jalouse. Bon, là, vous avez dit, je suis jalouse de quoi? Voici Marie là qui est à côté ici. Bon mari. Bon mari, même ma famille même est fière. C'est ça qui est la vérité. Portez-vous bien. Et puis ciao. C'était pour vous. Merci beaucoup. Wotouli, blé blé. Irabouto, prie Giba. Ça va passer. Merci. Ciao.